Et bonjour ou bonsoir, c'est Revan et on se retrouve pour cette partie 4 de The Evil Within, The Assignment. Bon, faudra que j'arrête de le faire ça parce que ça commence à devenir chiant. Voilà, allez, on va continuer. La dernière fois, je m'étais arrêté... Ah oui, en pleine action, là, il y avait des monstres chelous qui nous explosaient, qui étaient aveugles et qui explosaient dès qu'elles nous repéraient. Donc, voilà, on s'est arrêté là. Voilà, j'étais en place... Mais j'étais mort comme un con, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, alors bon, c'est la quatrième partie, on est toujours au chapitre 1. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, je sais que c'est magnifique. Non mais arrêtez, je le sais. Mais je sais tout. Sauf que je sais pas. Donc je sais pas tout. Mais si, mais c'est ce que je sais pas, je peux pas le savoir. Ça devient compliqué cette histoire, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Mais bon, c'est pas grave. Alors là-dedans, je peux révéler des objets cachés. Oui, ça aussi, il faut que j'en parle. Bon, on s'est arrêté là. Comme dirait l'autre, Naradine. Allez. Alors regardez, on va y aller doucement. Il est aveugle peut-être, mais il commence à me casser les couilles. Allez, vas-y, passe. D'accord, ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Y'a rien là-bas? Attention, attention, il va falloir se la jouer. Il va falloir jouer au film. Et voilà, j'ai joué au film. Oh merde, du coup, ça a tiré tous les autres. Dickie. Non! Comme dirait César. Portez! Voilà, j'ai fait moins que le monde. Attends, ça fait ça aussi là-bas? Attends, je regarde. Putain, ça va être chaud. Il faut que j'apprenne leur pattern. Lui, il fait comme ça, lui, il fait des tours bilol. Oh, je l'ai niqué. Oh, je l'ai niqué. Je l'ai niqué. Oh, merde. Oh, putain. Attends, ça servait juste à ça, ça? Ah non, il faut que je prenne l'échelle. J'étais content de l'avoir reçu en niqué. La unique. Attention, 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 on va se jouer safe. Voilà. Alors lui il fait des grands tours. Alors attends, on va s'éloigner le maximum. Voilà. Allez, fais pas attention à moi. Putain, faut que j'aille au bon moment. Allez, fais un peu. Maintenant. Ouais, je le suis. Oh putain, nickel. Et voilà, encore une victoire de connard. On va rester... Oh, point de contrôle. D'accord. D'accord, ça marche pas. Ok. Donc faut passer par là. Attends. Y'a rien. On va quand même rester prudent, hein. Faut rester prudent. Très bien, avec la petite musique bien stressante, là. Correspondance avec le profil de l'agent licencié Julie Kilman.
Cause du licenciement, insubordination. Profil restauré. Données envoyées au central pour analyse. Insubordination? Il doit y avoir une erreur. Enfin bref, je devrais pouvoir ouvrir ces portes maintenant. Ouais, très bien. Allez. Partons. T'as le bruit que ça fait? J'espère qu'il n'y a pas un... Ah bah évidemment. Ça au moins ça me permet de rajouter du matériel comme ici. Là, je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont se réveiller ces bâtards. Ne faites pas attention à moi. Je ne suis qu'un employé licencié. Je suis licencié. Mais ne faites pas attention à moi. Voilà, on va continuer. Oh putain, nickel. Point de contrôle. Allez vite. Oh putain, mais il est déjà fatigué ce salope. Allez. Oh, putain, il m'a fait flipper ce connard. Allez. Bon, ah oui, ça s'ouvre de l'autre côté normalement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bon, une petite sauvegarde quand même, ça pose. Allez, c'est parti. Eh ben dis donc. Que d'émotions. Attendez, je vais voir s'il se passe des trucs bizarres. Je sais plus trop. Allégeance. Allez, c'est parti. Allégeance, tu peux y arriver. Allez, très bien. Allez, le chat. Alors déjà, là, j'aimerais bien savoir pourquoi le chat. J'espère qu'on en apprendra plus sur Julie Kidman. Donc voilà. Donc il est très possible que vous voyez ce let's play au mois d'octobre. Bon, moi, je suis au mois d'août. Hein. Début août, là, on est le 10. Voilà. Bon. Allons-y. Un point de contrôle. J'aime les points de contrôle. Descendre. D'accord, on entend du non non. Moi je dis si si. You are dead. Est-ce que c'est la meuf lumière qui est venue? Putain, mais est-ce qu'il y a des morts là? Oh! Lâche-moi! 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 Saloperie. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que je relance l'ascenseur, c'est ça? Ok. Point de contrôle encore. Allez. La 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 la, tout va bien, c'est un point de contrôle. Tu sais quoi, je vais m'éloigner. J'ai un mauvais pressentiment. Oh merde. Une erreur est survenue. Veuillez attendre l'établissement de l'alimentation. Ouais, c'est la meuf lumière, putain.
D'accord, donc faut que j'attende le... Putain! Non mais t'es sérieux? Reste là-bas, faut que j'aille en fait. Non non tu m'as pas vu, non non tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Allez, on tourne autour. Allez ouais. J'entends de gruger l'IA. Regardez ça les gars. Hey. Ah non. Ah putain c'est elle qui m'a grugé là. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouais mais allez vas-y là. Putain elle va m'attraper. Putain. Bien joué. Ah bah on a vu fallait plus se la jouer discretos mais. La 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 la. Ah la saloperie. Ah la saloperie. Putain elle m'a bien joué. Ah la saloperie. Ah putain elle m'a bien eu. J'avoue, j'admets ma défaite. Oh putain. Oui bah oui bah oui je veux bien ce qu'ils nous sont en train de nous dire à l'écran. J'avais bien compris. Je ne suis pas bête à ce point là n'est-ce pas. Allez. Bon. Non mais ma technique de la gruger en faisant des tours, je pense que si je me fais repérer c'est une bonne solution. Faut juste que je fasse très attention que je me précipite pas. Voilà, évidemment, ça va sauter. Voilà, donc attends, tu sais quoi, vu qu'elle arrive. Attends, elle arrive d'où? De là-bas, je vais rester ici. Voilà. Évidemment, hein. Ça pouvait pas se passer sans encombre. Je vois. Merde! Je vais pas par là. Alimentation établie à 50%. Il m'aura pas. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Merde, merde, putain elle me ralentit la salope. Putain lâche-moi. Oh putain, ah ouais c'est chaud. Pouh, putain. Allez, deuxième mort, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Très joli portrait de famille. Ah, c'est ce que j'avais utilisé pour l'épisode 10, je crois. Plus. Ah ouais, ce passage il est bien chaud quand même. Il est bien chaud. Comme le cacao. Une erreur est survenue. Veuillez attendre le rétablissement de l'alimentation. Là, le direct ici. Alimentation établie à 20%. Allez.
Putain, le magrugis. Putain, elle est où? Bon. Allez, on fuit le plus loin possible. Allez, vas-y. Ouais, je m'en balèque. Voilà, elle m'a perdu de vue. Ah, tant mieux. Allez, vas-y. Saloperie. Mais elle est intelligente. Merci. Ah, la saloperie. Attends que merci ça tourne. Ah la saloperie. Oh putain, j'ai foncé comme un gros barbare, m'en bats les couilles. Heureusement que je suis pas allé avant, je me serais fait niquer. Merci de laisser cet appareil aussi propre que vous l'avez trouvé. Notre lieu de travail est toujours accueillant, grâce à vous. Mais merci. Très bien, je suis revenu ici. Ok. D'accord, très bien, on va suivre le chemin. On suit ce petit chemin. Qui sort là? Tiens, il parle à qui? C'est qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, sois convaincant. Inspecteur! Je suis là, je vais bien! Sébastien! Joseph! Mobius. Alors, ils vous envoient chercher le garçon. Et vous les croyez? Réfléchissez un peu. Vous êtes aussi superflu que vos partenaires. Tout comme je l'étais, après tout ce que j'ai fait pour eux. Vous serez moins loyal quand vous saurez la vérité. What? Est-ce que ça va? Lolo. Ne préférez-vous pas ignorer des choses qui vont sans aucun doute vous perturber? Ah ouais, chapitre... Bon, on a terminé le chapitre 1, on va s'arrêter là. Bon, au moins, bon, alors c'était vraiment un épisode très très court du coup. Bon début, très bien. Alors c'était un épisode très très court, mais au moins... comment dire? Voilà, au moins on a fini le premier chapitre. Je crois qu'il y en a deux. Donc voilà, ce serait bien. 4 parties par chapitre, donc ça va faire 16 épisodes. Oh, je m'en bats les couilles. C'est pas grave. Bon, bah attendez, je vais sauvegarder. Mais alors là, j'ai pas tout compris, je suis désolé. Faudra qu'on m'explique, ou faudrait que je fasse plus de recherches, je regarderai sur internet ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui vient de se passer exactement? Parce que là, on la voyait, elle était dans Mobius. Elle était à Mobius. Elle était à Mobius. Voilà, je sais pas, elle était dans l'entreprise Mobius et tout, et dès qu'elle... comment ça s'appelle? Dès que Ruvik la touche ou je sais pas quoi, l'eau elle se vide et c'est comme... elle se... on la libère en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là, alors là franchement c'est... Non, j'avoue, j'ai pas tout compris.
J'avoue. Je suis... comme je le répète, je suis peut-être con. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Chapitre 2. Convergence. Très bien. Bon. On se retrouve au menu principal. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode. Hein. Voilà. On a juste fini le chapitre 2. Je pense que ça fait très bien pour comme fin d'épisode. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Et ciao.